la faune et l'ensemble des animaux sauvages vivant en liberté dans leur milieu de vie ou maintenus en captivité et sont classés notamment parmi les mammifères, les poissons, les oiseaux, les reptiles et les batraciens. La famille des éléphants, éléphantidés, qui appartient à l'ordre des proboscidiens, se divise en trois genres. Les éléphants d'Afrique, Losodonta, dont il existe deux espèces. Les éléphants d'Asie, Elephas, et les mammouths, Mammutus. Les derniers ont disparu il y a quelque 4000 ans. Tous ces animaux sont caractérisés par leur tronc très mobile et leur défense, que l'on regarde comme des incisives métamorphosées. Ils ont le tronc court et gros, le cou très court, la tête ronde et soulevée par des sinus que présentent les os de la voûte du crâne. Les jambes sont assez hautes, massives et terminées par 5 doigts soudés jusqu'au sabot. Chez une espèce, il n'y a que 4 doigts aux jambes de derrière. Notre exposé portera sur l'éléphant d'Afrique, Losodonta africana. Dans la systématique animale, l'éléphant d'Afrique est du règne animal, de l'embranchement des vertébrés, du sous-embranchement des gnathostomes, de la classe des mammifères, du sous-classe des placentaires, du super-ordre des ongulés, de l'ordre des proboscidiens, de la famille des éléphantidés, du genre Losodonta et de l'espèce Losodonta africana. Les Fons l'appellent Adjinakou, les Français l'appellent éléphant d'Afrique ou éléphant africain ou éléphant de savane. Les Anglais l'appellent African Elephant ou African Savage Elephant ou Bush Elephant. Les Nago l'appellent Eri. Les Mokole l'appellent Duna, les Ani l'appellent Abro, les Batonou l'appellent Siounou ou Sounou, les Oussa l'appellent Giwa, les Bou l'appellent Kiwessa, les Gourmantier l'appellent Oluono et les Fulfulé l'appellent Niwa. Répartition géographique. L'éléphant d'Afrique est confiné dans certaines forêts classées du centre et du nord Bénin, comme celle des monts Koupé, de la Souta, du Gougnou, de Warimaro et les trois rivières, ainsi que dans les parcs nationaux du W et de la Pingari, et dans les zones cynégétiques de la Takora, de la Jona et de la Pangari. Les éléphants d'Afrique ont pour habitat les savanes, les forêts classées et les forêts galeries. Jusqu'à une époque récente, il habitait toute l'Afrique du Sud du Sahara, mais son aire de distribution n'a cessé de se réduire. Depuis l'époque romaine, où il habitait également les régions boisées du Sud, du Nord de l'Afrique, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Actuellement, on trouve l'éléphant dans quelques régions boisées du Sud d'Afrique, à l'Est depuis le Soudan et la Somalie, à l'ouest depuis le Sénégal, et de là juste dans le nord de la République sud-africaine, d'où les progrès de la culture, et repoussant peu à peu vers l'intérieur du continent. Décrivons à présent le plus gros des pachydermes. Les éléphants d'Afrique, Losodonta, se distribuent en deux espèces, distinguées seulement récemment, l'éléphant des savanes, Losodonta africana, et l'éléphant des forêts, Losodonta cyclotis. C'est un animal généralement plus grand que l'éléphant d'Asie, Elephas, dont il diffère aussi par son front. Uniformément bombé, ses oreilles très grandes se touchant par leur bord supérieur, au-dessus du cou, lorsqu'elles sont rabattues en arrière. Ces dents, mollets composés de lamelles
moins nombreuses et présentant sur leur couronne, au lieu de rubans transverses, des figures en forme de losange. Les défenses de la femelle sont recourbées et saillantes comme celles du mâle. Bien que généralement plus petites, celles du mâle atteignent jusqu'à 2 et 3 mètres de long, y compris la partie cachée dans l'alvéole. Elles sont ainsi généralement beaucoup plus grandes dans les deux sexes qu'on ne le voit chez l'espèce indienne. Aussi, l'éléphant d'Afrique a-t-il spécialement été chassé pour le commerce de l'ivoire. Souvent, on ne lui trouve que 3 sabots au pied de derrière. Son squelette possède 21 côtes, 4 vertèbres sacrées et 26 caudales. Sa peau est d'un ton foncé noir. Sa taille paraît varier selon les contrées. Le tronc est ramassé, soulevé, dès le dos en une foule chargée, repose sur des jambes droites comme des piliers, dont les articulations se distinguent à peine et qui, amincies vers le milieu, s'appliquent sur le sol par une large plante arrondie comme un moyen. Cette masse, plus élevée sur le train de devant que sur celui de derrière, supporte une tête énorme, assaillie, très marquée et voilée de chaque côté par 2 larges peaux échancrées qui sont les oreilles. Cependant, on aperçoit dans cette masse 2 petits yeux noirs, brillants et assez expressifs. L'ouïe des éléphants est assez fine, mais c'est surtout leur odorat qui est développé et le même organe qui reçoit les émanations odorantes est aussi celui du toucher le plus délicat. La trompe est plus qu'un simple tube d'aspiration pour les effluves odorants. Comme ce tube a aussi d'autres fonctions à remplir, une disposition spéciale fort bien indiquée par Boitard le rend aux besoins indépendants des véritables cavités olfactives. Cette trompe est un organe assez long pour toucher le sol de son extrémité. L'animal étant debout, ce qui dans certains individus suppose 2 mètres à 2,50 mètres de longueur. Ce tube musculé est creusé intérieurement de 2 canaux correspondant chacun à une narine. À l'extrémité de la trompe se voit nettement leur cloison de séparation. Cette extrémité est formée par une sorte de bourrelet délicat, légèrement renflé, très sensible et qui, à la partie moyenne et supérieure, est pourvue d'un prolongement triangulaire, mobile et jouant le rôle d'une espèce de doigt. Cet instrument curieux permet à ce colossal animal d'exécuter beaucoup des mouvements dans la main, seul de l'humain est capable. Reste qui ne se retrouve guère que chez certains singes. Ainsi, on a pu voir des éléphants tourner des têtes de cou, ouvrir une porte avec une clé, retirer le bouchon d'une bouteille, dénouer une clé, etc. L'éléphant d'Afrique est d'ailleurs reconnaissable par sa longue trompe correspondant au nez, à la lèvre supérieure très allongée avec laquelle il aspire, respire, boit, sent et prend les aliments. Et cette défense incisive supérieure atteignant 2 mètres et plus et pesant 115 kg. Les femelles sont plus petites et leurs défenses sont plus courtes. L'éléphant a une longueur de 2,40 m à 6,40 m chez le mâle, 0,60 m de moins chez la femelle. Hauteur au garrot, 2,10 m à 3,50 m. L'éléphant pèse 3 à 6 tonnes chez le mâle, 2,2 m à 3 tonnes chez la femelle. L'éléphant vit 60 à 80 ans, plus de 80 ans en captivité. Notons aussi que la plus grande taille que l'animal puisse atteindre est de 3,30 m de haut. Sa croissance est lente et ne se termine guère
jusqu'à 24 ou 25 ans. Exclusivement herbivore et frugivore, l'éléphant d'Afrique consomme aussi la terre argileuse. Il a une ration de 100 à 250 kg de nourriture par jour et boit jusqu'à 100 litres d'eau quotidiennement. L'éléphant est à la fois diurne et nocturne. Les éléphants d'Afrique ont pour prédateurs principalement les hommes. Le lion, l'hyène tachetée, le licaon et le crocodile s'attaquent aux jeunes éléphantaux quand ceux-ci ne sont pas surveillés. Les éléphants sont grégaires. On rencontre des troupeaux de 3 à 10 ou de même 20 individus. Ils vivent dans une société matriarcale constituée d'un groupe de femelles adultes et de leur progéniture dirigée par la femelle la plus âgée. On les rencontre de temps en temps en grands troupeaux, mais le plus souvent en petits groupes de 3 à 10 têtes ou plus. Les premières études du cycle de reproduction des éléphants datent de la fin du XVIIIe siècle. John Cross, de 1792 à 1797, dirigea pour la Compagnie anglaise des Indes la chasse aux éléphants au Bengale. S'assura que l'éléphant se reproduit en captivité du moment où, en lui en laissant la liberté, il observa la gestation de femelles domestiques et constata que leur durée de gestation est de près de 21 mois, 618 à 620 jours, et ne donne qu'un seul petit. Celui-ci a 0,95 mètres à 1 mètre de hauteur en naissant. Il a les yeux ouverts et marche aussi. Et plus dès le lendemain, sur la route à laquelle il appartient, il quête directement avec la bouche en enroulant sa trompe autour des mamelles de sa mère et ne se suffit guère à lui-même avant l'âge de 2 ans. Leur voix est décrite par certains comme un roulement grave, profond et très sonore. D'autres en font un cri rauque et strident. Les anciens auteurs affirmaient qu'ils pouvaient pousser par la trompe un son rauque et filé comme celui d'une trompette. Mais les éléphants font rarement entendre ce cri en captivité. Délogogue en parlait aussi et le comparait à un étonnant bruit d'orgue. C'est en chassant dans l'Afrique australe des troupes d'éléphants sauvages qu'il a eu l'occasion de l'entendre. Plus d'une fois, il a vu un de ces animaux avertir toute la troupe de la présence du chasseur par ce qu'il appelait de bruyants sons de trompe. On peut ainsi dire que l'éléphant trompette, bien que le dictionnaire de l'Académie n'applique le verbe trompeter qu'à la voix de l'aigle, alors que le mot appliqué au son émis par l'éléphant est le barrissement. L'éléphant barrit. Menacée de disparition et intégralement protégée au Bénin. La denture présente des particularités remarquables. La mâchoire supérieure est armée de 2 incisives converties en défense et porte, comme la mâchoire inférieure, 6 paires de molaires ou peut-être 5 seulement, mais n'existant pas toutes en même temps. Ces molaires se composent d'un assez grand nombre de lamelles, d'émelles, liées les unes aux autres par la substance cémenteuse. Quand une dent s'est usée par la mastication, une nouvelle se forme derrière elle, avance de plus en plus et fonctionne déjà avant la chute du dernier morceau de la première. Ce renouvellement se fait 6 fois, ce qui porte à 24 le nombre de molaires de l'éléphant d'Afrique. Et l'éléphant, l'animal le plus apprécié des Thaïlandais, a pour formule dentaire 1 sur 0 plus 0 sur 0 plus 3 sur 3 plus 3 sur 3 est égal à 13 dents
pas demi-mâchoire, fois 2, ce qui nous donne 26 dents au complet. C'est-à-dire 2 incisives plus 0 canines plus 12 prémolaires plus 12 molaires, ce qui nous donne 26 dents. Voici à la fin de notre exposé. Nous attendons impatiemment vos suggestions, vos amendements et vos corrections pour l'amélioration de notre sujet. Merci pour votre attention. I know the dengue, dengue, I know the post, eh. My baby, give me biscuit, I want the sugar. The things you do me, but Joe Barrow, Cochet, we. Borrow Barrow, Borrow Barrow, Cochet, so. Melo, 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 La Fair, we. Melo, 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 La Fair, so. Annie, Melo, 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 La Fair, we. Melo, Melo. Melo, melo, la fesso. Eyin fujo, eyin menugun, menugun. Apon be ko re mi akan ke bi leyan pa mi. Nigba ko so, nigba ko so la. Nigba ko so ro taye.